Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau deck fun et nouveau deck tout simplement puisque c'est une extension bien entendu. Un deck qui a été proposé par 4LW sur Twitter qui jouait ce deck et qui est passé diamant avec ce deck. Avec un, en tout cas le post qu'il a posté, un sacré gros win rate, hein, plus de 70%. Il est déjà passé diamant avec et c'est un deck ligne temporelle. Alors forcément à partir du moment où on joue un deck ligne temporelle et que ça monte, j'ai envie de l'essayer. Le deck est fun, le deck est pas évident à jouer, le deck peut être fort mais il faut vraiment bien gérer sa pioche et tout, c'est pas si facile que ça. Mais en tout cas le deck est très très fun. Comment ça marche? C'est un deck ligne temporelle mais la ligne temporelle est pas nécessaire trop vite dans la partie et on a beaucoup de pioches pour aller la chercher. C'est ça l'avantage parce qu'il y a beaucoup de decks ligne temporelle comme ceux que j'avais un peu essayé en stream où si vous l'avez pas assez tôt dans la partie vous avez perdu, là c'est pas le cas. Et c'est ça l'avantage du deck, c'est un deck qui joue Gnar Trundle. Gnar va servir principalement à gérer le board adverse et à piocher. Trundle va servir à jouer un pilier. Le pilier c'est une carte à 8, donc forcément sur ligne temporelle c'est sympa. Les deux en plus peuvent avoir surpuissance, ce qui fait que vous pouvez gagner la game en agressant, c'est possible. Même si en général vous allez plutôt vouloir contrôler la game, mais vous pouvez gagner en agressant. La mécanique est simple, vous le savez, il y a des Yumi, il y a des cartes avec attache, il y a des cartes un peu embêtantes, tout ça, qui sont difficiles à gérer, mais qui peuvent se faire oblitérer. Eh oui. Et si elles se font oblitérer, elles dégagent. Si la créature est mise dans un site, et ça c'est important, la créature attachée est oblitérée également. Voilà, donc si vous avez une créature avec Yumi dessus et que vous la mettez dans un site, Yumi est décroché. Ça c'est assez intéressant parce que du coup on va jouer piège de givre en deux exemplaires qui nous permet tout simplement d'oblitérer chaque unité ennemie pour invoquer à sa place un tombeau polaire. Donc pendant deux tours vous allez avoir le tombeau polaire. Donc c'est bien pour dégager les cartes attachées, mais la principale utilité de ça c'est de comboter avec celui qui dévisage qui va tout simplement vous permettre le tour d'après d'oblitérer tous les sites et du coup d'oblitérer tout le board adverse. Ça, c'est la petite combo. Bien entendu, si vous avez joué ligne temporelle, en plus de ça, vous allez pouvoir transformer votre celui qui dévisage en une autre créature 8-8. Souvent, ce qu'on veut aller chercher, par exemple, c'est un sanglier, le nouveau sanglier qui permet que l'adversaire ne puisse pas bloquer. Vous pouvez aller chercher un capitaine pharaon qui a surpuissance, donc qui est assez sympathique. Enfin, il y a quelques petites cartes à aller chercher comme ça. À côté de ça, on a, comme je vous disais, beaucoup de pioches. Avec la gamine des rues qui va permettre de piocher. Le guetteur abarosant qui permet de piocher si vous le jouez avant d'avoir joué la ligne temporelle. C'est pour ça que je vous ai dit, la ligne temporelle n'est pas forcément nécessaire de jouer très tôt dans la partie. Et sinon, plus tard dans la partie, vous allez vouloir le jouer mais en deuxième créature. Puisque c'est que la première créature qui est transformée. L'investisseur féroce qui lui par contre va être très intéressant. Parce que vous avez des tours 2 plus sympas qu'une de 2 en général. Et par contre, vous allez pouvoir matérialiser un sort à 6. Parmi ces sorts à 6, il y en a énormément dans ces régions-là qui sont très sympas. Vous pouvez avoir Feel the Rush, vous pouvez avoir des cartes ex-tech qui vous permettent de créer d'autres cartes, etc. Vous pouvez avoir de la pioche. Donc forcément, les cartes à 6 de ces deux régions sont très sympas. Vous allez avoir enfin en pioche également, bon, comme je vous avais dit, le Gnar qui vous permet de piocher. Vous allez avoir le Voyageur des Abusés parce que c'est un T4. Si vous jouez sur ligne temporelle, vous pouvez avoir une grosse créature. Vous piochez et en plus, vous faites défausser une créature à l'adversaire. Enfin, une carte à l'adversaire, donc c'est très très fort. Voilà pour la pioche. En ce qui concerne le reste, on a de la gestion de board avec des rayons thermaux, avec des tirs mystiques, avec un enthousiasme, avec un après-coup. Après-coup, pourquoi c'est là? Tout simplement parce que ça peut faire des dégâts, mais ça peut être utile face à des decks qui jouent des sites. Par exemple, on pense à l'arbre de Bundle, bien entendu. Et voilà pour la gestion de board, en plus de la combo bien entendu. Et sinon vous avez des cartes soit pour vous protéger, soit pour remettre dans un site. Parce que vous pouvez aussi jouer 3 sœurs pour mettre une carte dans un site, pour faire soit oblitérer attache, soit si vous avez celui qui dévisage, mais que vous n'avez pas le piège de givre, et qu'au prochain tour vous avez besoin de tuer une créature, vous pouvez utiliser 3 sœurs. Vous pouvez aussi utiliser pour geler ou pour booster une de vos créatures. Vous avez l'archer du Val gelé qui va permettre de geler, c'est une 3-1. Qui gèle, et si vous avez joué la ligne temporelle, ça peut être une autre carte, une 3-1, peut-être avec plus de stats, potentiellement. Le Babouin Boomer, ça nous donne des cartes à défausser, et en plus, surtout, ça se transforme aussi, donc ça peut être très sympa. Champ des Trolls pour protéger nos cartes. Voilà la base du deck. Le deck est très cool, très fun à jouer, pas facile à prendre en main, surtout dans cette méta assez agressive, mais il y a moyen d'en faire quelque chose de bien. Et je pense que je vais beaucoup spammer ce deck sur le ladder parce que je l'aime beaucoup beaucoup. Voilà voilà. Je vous laisse tout de suite avec le gameplay. Si vous allez apprécier la vidéo, surtout n'oubliez pas hein,
Le petit commentaire, le petit pouce en l'air et l'abonnement. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. Faut le faire, c'est gratuit. Et puis moi, je vous dis, du coup, je vous laisse avec le gameplay. Je vous dis à demain. Bye bye. Alors, on est contre Galio Trundle. On va garder un exemplaire de haine temporelle. On va virer le reste. C'est pas sûr qu'on la joue tout de suite, mais on va la garder pour être sûr de l'avoir le moment venu. Si on n'a pas mieux, on risque de la jouer tout de suite. Ok, on a pas beaucoup mieux pour l'instant. On va peut-être la jouer. Un peu triste de la jouer aussitôt, mais... On va jouer ça. On va prendre... Marc Ténébran, je pense. On va prendre un sbire. Hein. Sbire. Les sorts qui coûtent plus cher. Non, ça m'embête plus qu'autre chose. On va prendre un sbire. On en fera une carte, c'est très bien. Ok. Avec notre sbire. Voir ce qu'il fait. Le monsieur, il fait rien. On passe aussi. Ça c'est très bien par contre. Qu'est-ce qu'il fait? On va faire ça. On va prendre une 3-5. Hein. Ok, bon. Il jouait ça, c'est intéressant. Comme deck, c'est un peu spécial, mais... Pourquoi pas? Prochain tour, il a 5 mana, c'est pas encore... C'est le tour du dragon ou pas 5 mana? Peut-être. Peut-être que c'est le tour du dragon à 5 mana. Le fond de l'air est frais. Ok, si tu veux. Pas mon tour d'attaque de toute façon. On va rajouter ça. Essayer de créer des petits pokistiques pour essayer d'aller piocher nos combos. Chiant. Je pense quand même qu'on attaque avec tout ici. Ok. On va tuer ce Trundle. Contre. Enfin, du moins essayer. Ok. Le Trundle est mort. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça, du coup, elle sert beaucoup moins comme carte. Jouer ça. Je vais jouer Avalanche, du coup ça a l'air d'être un deck plutôt contrôle. 3-20 effectivement. Marche aussi. On va piocher. Ça c'est nul, mais heureusement on a de quoi le défausser. Faire level up le Gnar du coup pour qu'il ait plus de PV et pas qu'il meure bêtement. Et surtout pour passer un peu de dégâts mine de rien. Chercher les 6. On va jouer Trundle parce qu'au prochain tour on a le pilier du coup. Qui est une carte à 8. Qui est forte. Et on va piocher en défaussant les concurrents de timeline, je pense. Non, on va passer s'il fait rien. Ça me va. Et... Ouais. C'était prévisible un peu. Il n'y a pas eu de chance. Nous, ça nous va. On va en profiter. Ouf. Ça c'est bien. Hein. Ça aussi c'est bien, remarque. Hein. Ça c'est bien quand même. On va mettre ça. Ça il peut pas bloquer avec beaucoup de choses. Il a intérêt à avoir du gel ou un truc dans le genre. On va rajouter quelques petites cartes. Notamment de la pioche. Et le sbire. La pioche. De la pioche.
Et on va attaquer avec tout, comme un gros bourrin. Alors certes, il va avoir un bloqueur. C'est pas si grave. Pas bloqué. Ah, il peut bloquer avec rien. Alors, est-ce qu'il a de quoi tout gérer? C'est la question. Ouais. Ouais. Il prend quand même beaucoup. Pour l'instant, il prend 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il est à 1 PV. Il va me geler encore. Donc là, il prend 6. Si on fait ça... On met ça là-dessus, histoire de se créer un Pokistick. On met à 2. Derrière, on a ça, plus Pokistick, plus machin. Et donc, c'est perdu pour lui. Malgré tous ses gels. Petit sanglier, là, sur la concurrente timeline, qui est quand même sacrément solide, hein. Ça fait une nouvelle carte sur la concurrente timeline qui est plutôt très 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 cool, je trouve. Et ça, c'est sympathique, hein. Alors, on est contre Kindred Viego. Kindred Viego. Regardez ça, je pense que c'est pas si mal. Ça, ça peut permettre de défausser soit un Viego, soit une Hydre. Ça, ça peut permettre de tuer une Kindred. En vrai, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Certes, on n'a pas concurrent timeline, mais on n'en a pas vraiment besoin tout de suite. Ça, par contre, c'est un peu chiant. La concurrent timeline. On va faire ça. Si je joue Kindred, on peut la tuer. On peut pas la jouer normalement ce tour-là, mais on sait jamais vu qu'il a réduit le coût. Ok. Regardez le mana en banque. Oh, ça me va. On va jouer ça. T'as lâché quelque chose. J'ai tout lâché. 5-5, ça me va. On se débarrasse d'un Viego. Ça, c'est très cool. Là, il peut jouer Kindred. On pourrait se débarrasser de la Kindred également. La soumission ou la mort pour tout. Ou alors, il joue un autre Viego. C'est chiant. Devoir se débarrasser de ce Viego, je pense. Après, il doit jouer des Raviveurs aussi, probablement. Est-ce qu'on a besoin d'en mettre autant? Oui, parce que s'il a maîtrise jumelle. Au cas où il est maîtrise jumelle. On va tuer ça. Il peut faire aperçu de l'au-delà ici pour piocher. Ok. Ok, deux Viego de gérer. Malheureusement, il peut probablement les raviver avec un raviveur. Mais il n'avait pas de raviveur en main tout à l'heure vu qu'on a fait défausser un Viego. C'est quand même quelque chose d'important à noter. On va faire ça. Kill the Rush. Kill the Rush, c'est pas déconnant, hein. Et alors, il a des villes festins, je pense. Mais de toute façon, elles ont tout un point de vie. Donc, on va jouer ça. Ça, on peut potentiellement aller chercher une carte chiante si jamais il joue autre chose. On va jouer Gnar. Première patrouille, deuxième patrouille, troisième patrouille. Ok. Il reste 7 mana. Il va nous tuer le Gnar, visiblement. Ouais. Ok. Ça me va, je crois. Je vais passer ici, j'aurais pu attaquer mais je vais juste lui réduire le coup dans sa main. Ça peut être plus qu'embêtant. Qu'avons-nous là ? Du genre coriace, hein ? On va tuer ça, je pense. On va accepter le reste des dégâts. Appelez les autres. Affirmatif. On va jouer Trundle. Est-ce qu'on doit garder le mana ici ? Pas forcément. Vengeance, ça me dérange pas. Quand on va faire ça. On va prendre ça parce que ça peut comboter. Et on va prendre ça.
Ok. Là, on va jouer le pilier. Ça, c'est bien. Un Léviathan. Voilà, c'est déjà mieux. C'est une 5-9. Il va faire des dégâts à chaque tour. Ça me semble pas déconnant. Je vais rajouter ça. Est-ce que j'ai besoin d'attaquer? Est-ce que je vais rejouer Trundle, hein? Non, au prochain tour, il me faut le mana pour faire Fils de Rage, peut-être. Très bien. Comme ça? Ouais, ça me va. Débarrasse de ses cartes, au moins. Il n'y a plus que 4 cartes. Passer. Il abandonne. Let's go. On n'a même pas eu le temps de faire le Fill the Rush. Il abandonne. Et ça passe face à Viego. Ça fait plaisir. Alors, on est contre Karma Broom. Karma Broom, la combo va être difficile à passer parce qu'ils ont des rejets. Le tir mystique a peu de chances d'être utile. Par contre, la pioche, on dit pas non. La défausse peut être très fort contre lui en vrai. Il y a sûrement des sorts qui coûtent cher. Voir faire défausser une karma, ça peut être bien aussi. Et on va jouer ça. C'est probablement un deck contrôle, je dirais. Donc avec beaucoup de sorts pour faire des dégâts. On va attaquer. Là, il va sûrement Catalyzer, non ? Non, du coup on va passer. On n'a pas contre nos concurrentes, c'est un peu dommage. Ouais, jouer Gnar, il y a des chances qu'il meure. Je vais plutôt jouer ça. Et le faire défausser un truc. Et Souffle Hivernal, c'était sa combo Karma. Une première carte de sa combo qui dégage, ça me fait plaisir. Nous on va jouer. On va jouer Trundle en vrai ici. Parce que pour 8 mana, il va avoir du mal à le tuer. Et même s'il utilise beaucoup de trucs pour le tuer, c'est pas très grave. S'il passe, je pense pas que j'attaque en vrai. S'il passe, c'est probablement qu'il a double avalanche. Et qu'il compte que j'attaque pour tuer toutes mes cartes et prendre que 4 points de dégâts. Est-ce que ça m'intéresse? Pas sûr. En plus, s'il passe, je pense que je passe. C'est un peu chiant. Pas de quoi le gérer malheureusement. Pour l'instant. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ok, on passe. On a notre combo, en tout cas, si besoin est. Même si elle va être compliquée à passer, à mon avis. Tenter un Gnar. Faire de la pioche. Il y a probablement beaucoup de gel, donc faut faire gaffe à ça. Par contre, s'il passe encore, on va passer encore. On va faire level up notre ami Trundle. On va pouvoir commencer à passer des dégâts grâce à ça. S'il ose jouer Karma, on va pouvoir faire piège de givre. Et après, open attack en passant un max de dégâts. Faire cramer des ressources et essayer de passer celui qui dévisage derrière. Et ça, c'est s'il joue Karma. Ça m'étonnerait qu'il joue Karma là. Ça semble un trop mauvais spot pour lui pour jouer Karma. Faites ton mieux.
Ok. On va faire ça du coup. Anomalie Extech, je pense que c'est le mieux ici. Il y a probablement rejet si je fais ça. Est-ce qu'on le tente quand même? Je pense que oui. S'il fait un rejet là-dessus, bon bah faudra qu'il les passe. Hein. De toute façon, on en a créé un, donc on en a beaucoup dans le deck. Je vais essayer d'aller le chercher. Le but étant de passer un max de dégâts dans la tête. Là, il hésite s'il doit rejet. Ça veut dire qu'il a peut-être un rejet en main. C'est un gros problème le fait qu'il ait peut-être un rejet en main. Parce que ça veut dire que celui qui dévisage passera pas. Ah, peut-être il réfléchit juste. Il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Ça c'est possible aussi. Vous pouvez piocher concurrent timeline. Ça serait top. Visiblement il rejette pas ça. Question c'est est-ce qu'il peut poser autre chose de fort ici ou pas. Ça c'est assez fort. Bête un peu effectivement. En plus ça me fait piocher alors que je voulais pas piocher. Pas spécialement du moins. Oui je pense qu'on va tenter ça. On va mettre un peu plus de d'aggro ici. On va rejeter ça. Ouais. C'était sûr, mais ça nous fait une 8 en plus. Maintenant, il a 8 mana pour réussir à gérer tout ça. Alors, une avalanche, c'est pas trop mal, mais. Je sais pas qu'on lui passe des dégâts. Potentiellement. Il a du gel, je pense. À mon avis. Il doit avoir pas mal de gel dans son deck. Du gel et du kill. Ah non, du stun. Et du stun, ok. Il prend un peu de dégâts, il prend 6. On va devoir défausser un truc pour power draw. On va défausser ça, je pense. Ok. Là il va récupérer ses petites créatures. Lui il a que 4. Donc il est relativement tuable ce tour là. On a nos concurrents de timeline qui arrivent un peu tard mais qui sont là. Malheureusement il a Karma. Il va falloir qu'on kill Karma. Comment on kill Karma? On va déjà faire ça. On va dire à kill Karma parce qu'il y a sûrement des maîtrises jumelles. Ça, ça a peu de chance de passer. Ça, ça peut être sympa, mais ça a peu de chance de passer aussi. Ça c'est un kill potentiel, je vais plutôt prendre ça. Ça ça m'intéresse je pense. Quelle incroyable journée pour le progrès. C'est vrai que ça frappe un jour le Nexus mais... On va tenter de kill quand même la Karma. Si ça passe jamais. J'ai utilisé un rejet. C'est son deuxième rejet, il a plus qu'un rejet dans le deck. Prochain tour on peut open attack. De manière à pas qu'il fasse vent le vent. Ici on a le challenger sur la Karma. Donc on peut essayer d'aller tuer la Karma et ça c'est cool. On va faire comme ça.
Ça, je pense. Il y a sûrement du gel. Ça veut dire qu'il utilise son tour à faire du gel. Il nous va à peu près. Il peut aussi faire des maîtrises jumelles pour essayer de protéger son truc. On arrive à tuer la karma, on est pas trop mal, je pense. L'objectif ce tour-là, c'est vraiment juste tuer karma. On va pas tuer karma parce qu'il va piocher bien plus de karma derrière. Malheureusement. Et il va créer un max de sorts. Là, on devrait pouvoir tuer cette karma là, mais le problème c'est qu'il a sûrement une autre karma en main. Ok. Il est à 1 PV. Il est à 1 PV. Il est à 4 PV, il est donc mort. Ok. Eh ben, c'était pas facile, mais on l'a géré. Pourtant, on n'a pas réussi à passer la combo. On lui a mis une grosse pression quand même avec l'attaque, là. Il a rien pu faire. Let's go. Alors, on est contre Miss Fortune. Miss Fortune. Udyr, c'est Joigny. Ça, ça peut être très fort, mais c'est très late aussi. On va espérer l'avoir, mais un peu plus tard. Ça, ça peut être intéressant. On va le garder, parce que Voyageur désabusé contre lui, ça peut être Gamebreaker, si on arrive à gérer sa petite c'est Joigny. On va rien jouer ici. J'aimerais bien garder ça. Ça me dérange pas de prendre un point de dégâts ici, même si, du coup, ça va faire le truc. Je préfère jouer Babouin Boomer et défausser la carte du Babouin Boomer. Semble plus intéressant. On va jouer ça plutôt et on jouera Babouin Boomer prochain tour. On va bloquer l'egg, ça me va. Ok, on a encore de la pioche ici, on a de la pioche là, on a de la pioche là, donc on a de fortes chances quand même de trouver nos combos à un moment donné. Ok, on va lui passer beaucoup de dégâts ici, du coup, je pense. On peut lui passer 5. Je pense qu'on va faire comme ça, parce que s'il veut bloquer avec ça, ça me va. Je vais plus aller le chercher. Mais je pense que s'il veut bloquer, ça me dérange pas. Il bloque pas, il est pas fou. Tiens, Mystique là-dessus peut être bien. Miss Fortune, c'est très chiant. On va jouer Gnar du coup, comme ça on peut bloquer la Miss Fortune si jamais il ose attaquer avec. Je pense pas qu'il attaquera avec, mais... Si, il attaque avec, ok. Il attaque avec tout. Alors ça c'est étonnant, je pense qu'on va... Bloquer avec ça. Est-ce qu'il a de quoi tuer ça? On va tenter une... Okay. On lui passe quand même... On fait quand même notre tir mystique ici. Notre hockey stick, ce qui est bien parce que du coup on va pouvoir tuer ça si on veut. On s'en est sorti. Ouf. On va piocher, on va dégager Udyr, ça c'est très bien. On a dégagé un petit Udyr, on va pas s'en plaindre. Ok. Là, s'il décide de faire une posture qui fait un point de dégâts à tout sauf à ça, non, ça serait pas intelligent pour lui. On va attendre de voir ce qu'il fait. Hein. Pour l'instant, on n'est pas si mal. Certes, on prend des dégâts, mais on a encore pas mal de PV. Miss Fortune m'embête un peu, mais bon. Ok. Un champ des trolls, ça c'est une bonne nouvelle. On peut tenter de kill ça. Est-ce qu'il va faire sa posture ici ou pas?
Posture sur Rel, ça tuerait ça. La posture sur ça, il perdra rien. Mais bon, il se met à portée de tir mystique sur sa carte, ce qui est un peu idiot. On a beaucoup plus de cartes que lui, n'empêche. On voit bien que ce deck fait un max de value. Parce que certes, on se fait agresser. Mais par contre, niveau carte dans la main, qu'est-ce qu'on en a? Bon, ça sert pas à grand-chose, mais qu'est-ce qu'on en a quand même? Alors, mon adversaire sait plus trop quoi faire, là. S'attendait pas à ce qu'il y ait ceci en face. Je comprends. Il se demande s'il doit jouer chez Joanie, s'il l'a pioché. Si tu l'as pioché, un conseil joue là. Mais après, un conseil quoi. Si tu l'as pioché, je serais toi, je la jouerais. C'est très très fort ici, c'est Joanie. Alors par contre, si tu passes, je passe. Hein, j'aime autant te dire. Ok. Ça me va. On va faire ça, je pense. Ok, un T4. Donc il a pas des grosses créas, en tout cas. En tout cas, il a pas des grosses créas, visiblement. Mon manga. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Bon, il a pas l'air de vouloir jouer. On va attaquer. Hein. On va attaquer parce que s'il bloque pas, bah c'est... Ok, il est là, il est là. Il voulait juste pas jouer. Très bien. Ça me dérange pas qu'il bloque comme ça. Ça me va tout à fait ces blocs. On va essayer de tuer cette Miss Fortune. Avec notre Pokistick. Il n'a pas de grosses cartes, on a vu, puisqu'on lui a fait défausser une carte à 4. Donc il a que des petites cartes en main. Pas faire grand chose. Il doit avoir une autre Miss Fortune, probablement. C'est un peu chiant, mais ça va. Bon, par contre, si t'es là, pour... si t'es là, joue. Repas à chaque tour, t'avais pu bloquer, c'est que t'es là. Quel enfer! Et là, il va faire un. Il va faire un truc, voilà. Il est là, hein. Il est là. Il veut juste pas. Mon adversaire veut juste pas jouer vite pour me faire croire qu'il a rien, mais je m'en fous. Hein. Je m'en fous, moi. C'est. Yep, ça c'était sûr, c'est pour ça que j'ai passé. Et là, on va tenter ça. Et s'il a un autre champ des trolls, on en a un autre. Non, c'est de la pioche, très bien. Dans ce cas-là, peut-être jouer Concurrent Timeline. Est-ce qu'on a besoin de le jouer sur ce tour? Non, on va plutôt garder le mana. Ouais, on aurait pu faire Concurrent Timeline quand même, mais on va garder le mana pour pouvoir faire ça en tout cas. Là, forcément, il a beaucoup de cartes. On va essayer d'aller chercher des séjourniers et des conneries, peut-être. Qui nous va? On va juste les oblitérer. Voilà. Faire ça. Et après, derrière, Concurrent Timeline et Wiki du visage. Je sens qu'on lui a déjà brûlé un Udyr, une Sejuani, il doit pas avoir des tonnes de trucs non plus. Ok, il va essayer de repiocher. On va jouer ça. Pour le prochain tour, pouvoir jouer notre 8-8. Ok. Et on va aller chercher...
Une 8-6, une 8-5, une 7-7 bouclier anti-sort. 7-7, hein. 7-7 plutôt. Ok. Pas attaquer. Pas bloquer, bien sûr. Là, il n'y a plus que 3 cartes. Ça, c'est un peu chiant, mais ça va. Ok. Ça va aussi. Ça va aussi. Bon, il n'y a plus de cartes. On est à 12. On a full board. Si top deck passe, ça devrait aller. On va jouer ça, je pense. Ça, ça le fait piocher, donc bien entendu, on va le gérer. Non, on va bloquer avec ça, par contre, on va pas être con. Là, on va gérer ça. Et on va descendre ça, peut-être. Prendre un peu moins de dégâts. Ok. On va tuer ça avant que ça se transforme. Prochain tour, on joue le totem. Qui va se transformer. Et on est pas mal après. Comme ça, on fait évoluer Trundle. Ça, hein. Ouais. Une 8-8 surpuissance, c'est bien, hein. Son deck. Je crois que c'est fini pour lui. Même s'il est assez joigny, en vrai, ça va. Pas si gênant. Je pense que c'est fini pour notre ami MF. Alors du coup, il va rob jusqu'à la fin, classique. Hein. On connaît maintenant. Je pourrais même faire ça en vrai si jamais il invoque un truc chiant pour qu'il ait plus aucun bloqueur. On est vraiment tranquille ici. Fameux joueur de MF, hein. Vous les connaissez ces joueurs de MF qui une fois qu'ils vous agressent tout le long de la partie et une fois qu'ils ont perdu, vous robe jusqu'à la fin du temps juste pour vous casser les noix. Quand même dingue tous ces joueurs qui font ça. Je comprends pas trop l'intérêt perso. Bon, je suppose que c'est une stratégie, hein. Une stratégie comme une autre. Ouais, s'il y avait ses joignies, vu qu'elle est level up, je peux pas tuer ça. Il peut potentiellement m'embêter, quoi. Mais bon, on lui a déjà viré un Udyr, une Sejuani, une Miss Fortune. Bon, il va peut-être pas avoir tous ses champions. Ok, merci. Voilà. Voilà, voilà. Et là, il va encore rob jusqu'à la fin. Let's go. Bien joué, Momanga 10 et Momo. Un vrai bon joueur d'aggro comme on les aime. Ah ok, ça passe. Let's go. C'est plutôt pas mal ce petit deck. En tout cas, c'est fun. Moi, je trouve c'est fun en tout cas. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, l'abonnement si c'est toujours pas fait. On va continuer à tester des decks fun, des decks de l'extension, des decks qui sont plus ou moins forts, mais surtout des decks nouveaux. Et ça, c'est le plus important sur cette chaîne. Si la vidéo vous a plu, je vous rappelle, abonnez-vous, c'est gratuit. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.